Bon sang, je vais me poser la question que vous vous êtes posée une centaine de fois, vous très nombreux depuis maintenant une semaine. Ils y sont parvenus, bon sang, contre Lyon, ils y sont parvenus contre Nice. Alors, pourquoi n'y sont-ils pas parvenus contre Nîmes et contre Reims? Eh oui, c'est la différence, a souligné Michel Derzakarian en conférence de presse, entre un bon joueur balle au pied et celui qui est un très bon joueur, qui est beaucoup plus constant dans ses performances. Alors, ce n'est pas techniquement pour l'entraîneur du MHSC que le problème est central, c'est là, c'est dans les têtes. Et son équipe a dû se remettre en question. Lui, le premier, il est venu parler aux joueurs il y a 48 heures de cela pour les mettre devant leurs responsabilités, pour engager une conversation, crever un abcès si besoin était. Et il nous en a fait l'aveu, Michel Derzakarian, lors de la conférence de presse. Ouais, mais c'est aujourd'hui on doit être... On connaît la situation, on sait que tous les matchs vont être à huis clos, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Il faut que mentalement, il faut être plus costaud, il faut les aborder différemment, il faut avoir de la com entre les joueurs et instaurer une bonne agressivité, parce que si l'adversaire te submerge dans les courses, dans aller un contre un, tu peux pas gagner un match. Sur la durée, tu gagnes pas un match. Il faut être dans la capacité de tenir le ballon, de jouer juste, de se rendre disponible et gagner tous ces duels. Hein. Duels, c'est pas que duels défensifs, hein, c'est offensivement aussi. Il faut être capable d'éliminer quelqu'un, de tenir la charge, provoquer des coups francs, des pénaltys pour nous aussi. Ce qu'on n'est pas en capacité de faire. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. On l'a montré, comme tu l'as dit tout à l'heure, les trois premiers matchs à domicile, on n'a pas joué des petites équipes, on a joué des grosses équipes et on avait vu que sur le terrain que notre équipe. Ouais, on est à même de le faire. Après, je pense que c'est dans les tranches, il faut que ça change d'attitude. Ah oui, c'est mental. A envie de se surpasser, de faire les efforts pour le partenaire. On fait un sport collectif, on ne fait pas... Il était temps de parler, il était temps de mettre les problèmes à plat, parce que les problèmes, il y en a, sans quoi les résultats de l'équipe ne seraient pas ce qu'ils ont été tout dernièrement. Et après la claque reçue contre Reims à la Mosson, bien entendu, la remise à question doit être globale, doit être générale. Alors chacun a été mis devant ses responsabilités, et puis une fois que Michel Derzakarian a pris la parole et en a terminé de son discours, eh bien c'est l'avant-centre Andy Delors qui, à son tour, a pris la décision de prendre la parole. Il nous l'a confié aussi. Il faut se dire les choses. Il faut à nouveau ne plus avoir des œillères, mais regarder ensemble dans le même sens. C'est dans cet état d'esprit que l'équipe doit se relancer. Andy Delors. Ouais, mais je sais pas si c'est la solidarité ou ce que je viens de te dire, le fait qu'il n'y a rien qui va, quoi. Il se passe des choses sur le terrain ou de suite contre Reims, voilà, on a parlé avant le match. Après, au bout d'un moment, c'est bien de parler, mais bon, voilà, il faut sortir les coups sur le terrain. Et c'est pareil, au bout de, voilà, contre Reims, on pensait que on allait faire un bon match, on allait re-enchaîner avec la victoire. Et justement, on s'est retrouvé au bout de 7 minutes où le match il a basculé et tout ce côté positif, tu le perds de suite. Et après, que tu le veuilles ou non, tu mets Mbappé, Cristiano Ronaldo dans l'équipe. À 9 ou à 10, c'est compliqué. Donc voilà, maintenant c'est voilà, retrouver ce truc-là. Le coach a parlé, il a bien parlé. Et maintenant c'est aux joueurs à montrer, à sortir leur couille sur le terrain, moi le premier, et retrouver ce truc-là. Parce que j'ai vu, voilà, pareil, il y a avant le match de Nîmes, le coach c'était le meilleur coach de Ligue 1. Et aujourd'hui, voilà, tout est remis en question. Donc voilà, après c'est. C'est les supporters, c'est dans le foot, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça et je peux les comprendre aussi. Ils aiment le club, moi aussi, et de voir comme ça, voilà, je pense que ce qui a déclenché, c'est la défaite face à Nîmes, c'est ça qui a vraiment déclenché le truc. Et nous, les premiers, on a été touchés par ça et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on était moins bien. Mais aujourd'hui, voilà, il faut se relever, il faut lever la tête et repartir. On a une très très bonne équipe et je pense qu'on va faire une bonne saison. Maintenant, voilà, c'était une période un peu délicate,
Maintenant, à nous de... Voilà, je le répète, mais je pense que c'est ça, c'est ce que vous voulez entendre et c'est ce qu'il faut que je dise, qu'on se relève sur le terrain et on va le faire, j'espère, dimanche. Allez, on ne va pas le qualifier autrement. Ce match à Saint-Étienne, Geoffroy Guichard et celui de la relance face à une équipe qui, ma foi, n'est pas plus bancale, pas moins bancale que la nôtre en ce moment, mais n'est pas non plus à l'abri de tout. Les Stéphanois restent sur 4 défaites de rang. C'est peut-être le moment de voir laquelle des deux formations aura su se poser les bonnes questions. Ce match sera à suivre, bien sûr, sur le Facebook Live du MHSC. Le coup d'envoi, inhabituel, à 13h. Soyez au rendez-vous.